D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo en fait sur un coffre de quête où j'avais eu un super coffre magique. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un coffre en or, je suis déjà à 10 sur 50. Bref, en gros, j'avais un super coffre magique pour ceux qui s'en rappellent. Vous pouvez voir dans ma dernière vidéo que j'en avais un et que je comptais l'ouvrir bientôt parce qu'il me restait, je crois, même pas 50 points de quête à avoir pour ouvrir ce super coffre magique. Et donc, je l'ai ouvert en vidéo, sauf que le hack n'a pas marché. Et c'était vraiment une excellente vidéo, je vais vous montrer pourquoi dans quelques instants. Donc voilà, en fait, si vous voulez, c'était un super coffre magique que j'avais eu dans ici. Il y en avait 500 points de quête à avoir. Et donc, j'ai réussi à avoir ces 500 points de quête en, je crois, quasiment un mois. Et donc là, vous pouvez voir vite fait, carte possédée trouvée, pour ceux qui ont vu rapidement, mais sinon regardez un petit peu. Donc voilà, dans ce super coffre magique, j'avais compté en vidéo le nombre de rares d'épiques qu'il fallait. Donc il fallait, je crois qu'il fallait, attendez, on va regarder. Il faut 28 rares, je crois, et 128 épiques. Et 28 rares et 126 épiques, je crois. On va voir ça tout de suite, c'était dans, donc c'était la reine 12, ouais c'était la reine 12, 792, donc voilà, il fallait 26 épiques et 158 rares. J'ai eu à peu près ça, dans ce coffre là, environ, et donc ben, après il y avait, mince c'est pas ça, voilà c'est ça. Et donc du coup, ben, dernière carte, le petit 1 on le voyait clignoter, disant que c'était une légendaire. Donc là je savais que c'était légendaire, mais j'espérais entre le fantôme royal que j'avais pas. Regardez un petit peu, hein. Enfin voilà où vous voyez, niveau 1, 1 sur 2, donc je l'avais pas. C'est ma dernière, enfin la dernière carte qui manquait. Et soit ça, soit la princesse. Donc je l'ai eu, j'étais vraiment super content en vidéo. Donc là évidemment le hack n'a pas marché, donc je peux pas vous remettre l'autre vidéo. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais fait le défi. Donc la dernière vidéo j'avais fait, attendez c'est pas là, j'avais fait le défi deux fois. Pour espérer avoir donc un coffre légendaire. C'est vrai que c'est pas la légendaire. C'est pas la nouvelle légendaire, c'est un coffre légendaire. Bon, on a quand même beaucoup de chance d'avoir, je pense, cette nouvelle légendaire. Du coup, voilà, j'ai essayé deux fois, j'ai pas réussi. Et donc, voilà, dans le coffre, super coffre magique de quête. Qui était donc ici, hein, donc là, je l'ai ouvert hier, en vidéo. Enfin, du coup, la vidéo n'a pas marché. Et donc, je l'ai ouvert et je l'ai juste là. Donc, voilà, le fantôme royal. 1 sur 2, j'en ai pas eu depuis. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir toutes ces cartes. Enfin, toutes les cartes du jeu, quoi. 81 cartes sur 81 cartes. Ça fait super plaisir. Donc là, j'ai bientôt un coffre courant. Si vous voulez, on s'ouvre le coffre en argent. Et donc, je vous montrerai rapidement ce que j'ai eu dans le coffre en tout. Donc, 90 d'or, une roquette et 13 fûts à squelette. Regardez un petit peu. Alors, là, on va aller là. Donc là, c'est quoi ça? Oui, donc là, c'est notre screen. J'ai pris deux screens parce que j'étais tellement content de ce fantôme royal. Attendez quand même, dernière carte que je n'ai pas. Donc ça fait quand même super plaisir. Donc voilà, et là, donc là j'ai fait un petit screen de tout. Donc là vous voyez, les rares, j'en avais plus de 100, plus de 148. Je crois qu'il en faut aller 168 je crois. Bon, un truc comme ça, dans le genre. Donc j'ai eu 7000 d'or. J'ai eu des rares, j'ai eu une épique. Je me suis dit, oh là ça commence mal, juste une épique. J'ai eu 5 épiques, je me suis dit, dommage. Là je me suis, donc là après il y a les communes, 606 communes, je me suis dit, bon il reste 3 cartes, c'est possible, il suffit de 150 à peu près, enfin en gros moi je pensais 118 rares et 20 épiques, j'avais compté les épiques et j'en avais eu 6 auparavant, donc il m'en fallait 26 ou 28, donc j'avais compté qu'il m'en fallait 20, et donc là je vois 20 épiques à la fin, puis en plus le petit 1, et là je vois bien sûr la légendaire, donc voilà, la fameuse légendaire, le fantôme royal. Donc voilà, bah en tout cas je suis un petit peu déçu. Oula, ça relance, j'ai eu peur. Un petit peu déçu, donc voilà, de ne pas vous montrer la première vidéo où j'ai rec, parce que c'était vraiment super. Hein. J'ai ouvert tous les coffres que j'avais pas mal de coffres. Et puis à la fin j'ai ouvert ce coffre là, le super coffre magique, et j'ai eu donc la dernière carte que je n'avais pas. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir. Ce petit coffre, enfin ce petit coffre, oui, gratuitement que j'ai eu grâce à Clash Royale d'ailleurs, hein, dans les quêtes, dans les coffres de quêtes. D'une part, et puis ça fait plaisir aussi d'avoir cette nouvelle légendaire qui est le fantôme royal. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo, voilà, en gros, pour vous dire ben, que j'ai une nouvelle légendaire, parce que c'est vrai que le pack opening, en soi, je l'ai fait, mais le rack n'a pas marché. Donc ce qui est un peu dommage. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!